C'est lui, il est là. Le voilà, vite, prends-le. C'est qui ça? Vous débarquez, vous? Ça, c'est Bruce Wayne. Monsieur Wayne, Clark Kent du Daily Planet, quelle opinion avez-vous du bas de justice de Gotham? On bafoue les libertés dans votre ville. Les gens vivent dans la peur. Cet homme se croit au-dessus des lois. De la part du Daily Planet, critiquer ceux qui se croient au-dessus des lois, c'est un peu hypocrite. Non. Vu que chaque fois que votre héros sauve un chat coincé dans un arbre, vous sortez un édito ronflant sur un extraterrestre capable de tout mettre à feu et à sang. Peu de gens partagent votre opinion, Monsieur Wayne. Ça doit être mon côté Gotham. Il faut dire qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clowns. Les gars, Bruce Wayne face à Clark Kent. J'adore ça, j'adore susciter les rencontres. Comment allons-nous? Lex. Bonjour, bonsoir. Lex, enchanté de faire... Ah, waouh, quelle poigne! À mon avis, on n'a pas intérêt à se frotter à lui. C'est un mensonge vieux comme l'Amérique, sénateur. L'idée que le pouvoir puisse être innocent. Vous allez faire la guerre. C'est cette ordure qui a apporté la guerre chez nous. Vous ne pourrez pas en sortir vainqueur. C'est du suicide. Le plus grand combat de gladiateurs de l'histoire. Le fils de Krypton contre le Bat de Gotham. Vous êtes un psychopathe. Mot de trois syllabes qualifiant de trop grandes idées pour un esprit étroit. Il est temps que tu apprennes à être un homme. Reste à terre! Si je l'avais voulu, tu serais déjà mort. Si l'homme refuse de tuer Dieu, le diable s'en chargera! Qu'est-ce que tu as fait? Oh putain! Elle est avec toi?